tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Stray, un jeu d'aventure infiltration dans lequel on incarne un chat qui doit s'échapper d'une ville cyberpunk. Pour cela, il doit trouver tous les secrets de la ville en embêtant le petit monde, en se faufilant dans les couloirs et en essayant de faire tous les puzzles sur son chemin. Le jeu fait partie de ma liste de jeux à ne pas rater en 2022, je vous mets les liens dans la description et je suis bien content de pouvoir vous le présenter. Vous êtes prêts? Allez, en avant! Alors, je sors la manette pour cette présentation. Le jeu est également une exclusivité PlayStation. Je me dis qu'il devrait bien être maniable avec une petite manette. À savoir que je n'ai pas du tout testé le jeu. C'est un jeu d'aventure, infiltration, puzzle. Il vaut mieux découvrir les énigmes et les stages ensemble pour la première fois. Alors, ouh, là j'ai vraiment un ressenti de Tokyo Jungle qui est sorti sur PlayStation 3 il y a quelques temps, peut-être une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Dans ce petit jeu, on était un toutou à Tokyo, hein, après que la ville ait été recapturée par la nature. Là, j'ai vraiment ce ressenti. On va voir comment ça se présente ensuite, mais c'est une très bonne première impression pour moi. Et là, je vois que le jeu tourne à 60 fps, il est en 4K. Absolument toutes les options sont au max, donc je n'ai pas de problème pour le faire tourner. À savoir que j'ai lu que certaines personnes ont des soucis d'optimisation. Bon, moi j'ai quand même une machine de guerre, hein, donc ouais, ça pourrait expliquer le 60 fps continu. Bon, alors, donc on a un petit abri magnifique. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas grimper. Ah, si j'appuie sur B, oh, je miaule, parfait. Alors, tiens, on run, un petit nettoyage, merci. Peut-être ce sont mes frères et sœurs. Toi. Oh non. Alors, je suis plus toutou que chaton. Mais je dois avouer qu'un beau petit chaton est juste trop adorable. Et il est trop difficile de résister, de leur gratter un petit peu. Ouais, juste, ouais, là où il y a la queue. Ça, ils adorent. Alors, toi. Oh, trop adorable. Les animations sont trop... Oh là, elles sont trop bien faites. Alors. Ah, j'espère qu'il ne m'en veut pas. Ah, j'ai le droit à un autre nettoyage. Ok, ok, bon, ça démarre très bien. Du coup, je sais pas trop quoi faire ici. Je pense pas que je peux ouvrir la porte. Hein, on peut pas sauter. En tout cas, j'ai pas de bouton court. Est-ce que j'ai un bouton pour courir? Oui, j'ai un bouton pour courir. D'accord. Ah. Oh, on va dodo ensemble en famille avec notre petit carton. Alors. Une intro. Ouh, c'est joli. Ouh, que c'est joli. Ce plan est magnifique. Ça, je l'aimerais trop en fond d'écran animé. Un petit ronronnement. Il a remarqué quelque chose de l'autre côté du ravin. Ah, on peut descendre maintenant. Ouais, carrément un Tokyo Jungle. Mais je me demande si ça a été une inspiration du jeu. Le petit dernier. Je me demande s'il y a un nom pour un groupe de chatons. Je sais qu'en anglais ils en ont. Ils ont tellement de mots. Ils ont des mots pour tout. Je crois que c'est un clouder en anglais, le nom pour un groupe de chatons. En français, je pense pas qu'on a l'équivalent. C'est un hood, comme le neighborhood, pour les groupes d'escargots, ça aussi je m'en rappelle. Ah,
Donc j'ai pas le droit de sauter, mais j'ai des moments où... où on a le droit d'appuyer sur le bouton. Hop. Ah, assez agile, bon bah on a un chaton. Crich crich. Comment ça fonctionne? Ah, faire, ok, d'accord. C'est pas juste l'un après l'autre, faut y aller à fond. Ok, c'est bon, parce que sinon on va couper l'arbre. Ce n'est pas un jeu de survie où faut ramasser du bois, donc... Alors... Là-haut, je suppose. Oh, mais non, mais c'est magnifique. Oh, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est pas le plus beau jeu que j'ai présenté sur la chaîne? Non, mais c'est trop beau. Oh. Ouais, je vais vous uploader la vidéo en 4K, alors. C'est juste magnifique. J'ai pas le droit de courir quand je suis sur ça. Oh oh. Est-ce que je peux scanner mon empreinte? Non? Ok. Ah. On va faire des sauts en chaîne. D'ailleurs, le jeu peut probablement être passé en français, mais j'ai pas pensé à regarder. Mais bon, il n'y a pas de dialogue, donc il y a quelques pop-up par-ci par-là. Donc, faut que je vérifie si le jeu est en français. J'ai pas pensé à regarder avant. Regardez la végétation. Oh. Coup de cœur. Je savais que je l'aimerais. Hein. C'est pour ça que je l'ai inclus à ma liste de jeux à ne pas rater en 2022. Donc c'est sûr. Mais là, pour le moment, ça fait mouche. Hein. Appuie sur le trigger gauche pour observer. Observez quoi? Ok. J'en ai pas tellement besoin, ça zoome en fait, c'est tout. Oh oh. Oh oh. Non, non. Non, attends mon petit nain. Non, non. Ah. Oh. Est-ce que là il me regarde genre Simba là dans... Non. Bon. Ok. Ah, c'est pour ça qu'on doit s'échapper de la ville cyberpunk. Parce qu'on a été séparés de notre groupe. Oh, je suis blessé. Oh non. Oh, je... On s'est fait mal à la patte gauche arrière. Oh. Je me rappelle, j'étais... j'avais 12-13 ans, 12 ans. Une maman chat s'est fait écraser dans la rue par une voiture et elle avait fait ses bébés dans notre jardin, mais ils étaient trop jeunes et on a essayé de les sauver et on n'a pas pu. Je crois que j'ai jamais autant pleuré. C'est quoi les bestioles là qui sont parties? On aurait dit des insectes avec une carapace là ou je sais pas quoi, bizarre. Ah ça, on peut courir à nouveau. Ah, passer par là. Oh la ville. La ville. Ok.
Donc ça, c'est une ville avec des robots. Je sais pas si autre chose. La ville morte. Ok. Ah. C'est agressif, ces trucs, là. Ils ont disparu, là-bas, par contre. Alors, juste regarder rapidement. Est-ce qu'on a du français? Ouais. Voilà. Parfait. Ah. Ok. Il y a une intelligence artificielle qui contrôle la caméra ou c'est quoi ce truc? C'est automatique, le miaulement fait le mouvement tête. Ok. La ville est à moi, elle m'appartient clairement. À moi et aux insectes flippants là. Bah, pas flippant, dégoûtant plutôt. Ah, on n'a pas le droit de jouer du trombone là. Et que pour les humains. C'est quoi? Chapel. Nope. Chapel loop. Ok. Je vais peut-être zoomer comme ça. Ouais, chapel loop. Ok. Ok, donc là un petit peu de Matrix. Suivez-moi, sauf que c'est pas le lapin, c'est le symbole du chaton. Alors. Par là-bas. Ok. De l'eau là. Ah. Bon, peut-être pas. On va quand même le prendre. Parce que je sais pas si je vais en avoir besoin après. Oh, attendez. Ça, c'est la spécialité du. Ah, la spécialité des chats. Ah. Alors, ça me fait quand même un peu flipper parce que ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça peut se relancer en cassant le tonneau. Ah, là, on a des pots de peinture. Un peu en dessous. Oh. Il y a des bonhommes en dessous. Il y a des bonhommes en dessous. Ok. J'ai une récompense pour tous les faire tomber. S'il y a quelque chose sur un bord, faut que ça tombe. Ou on ne joue pas un chaton. Ouh là, j'ai une petite chute de FPS, mais c'est revenu. Hop là. Ouh, d'accord. Comme quoi, c'est utile, hein, les chatons ne le font pas au hasard. Suis-moi, bon ouais, pas de soucis. Non. Ah. Ah. Ok, on va pas détruire le tapis oriental. Allez. Ah, Roomba. Ah non, c'est juste pour boire ça, ok. C'est une assiette. Je me demande s'il y a des secrets que je rate. Mais c'est tellement facile à avancer, mais pas facile bête, vous voyez, c'est juste intéressant. Ah non, mais c'est excellent ce jeu. Coup de cœur, coup de cœur. Oh oh. Ok. Je dis mince, ils ont décidé de défendre leur territoire. Ou... Il y en a d'autres là-bas. Oh, c'est un robot qui est en danger. Ça a l'air d'être les créatures de Half-Life, vous savez, celles qui se mettent sur la tête, là. Mais sans les pas... Ouh. C'est lui qui m'a demandé, qui m'a dit de le suivre.
D'ailleurs, au passage, il a écrit et j'ai compris, hein. Je suis un chaton, j'ai compris ce qu'il écrivait. Bah, c'est peut-être pas lui. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi, je suis triste, c'est un robot, il a juste plus de batterie ou un truc du genre. Mais je suis triste, pour moi, il est mort. Ok, il faut aller là-haut. Les changements d'ambiance, de luminosité. Excellent. Oula, ok. Là, ça passe à du rougeâtre. Oh oh. Oh oh. Ah. Ok. Oula. Oula. Faut aller où? Eh mais il y en a partout de ces créatures. Non mais va-t'en là. Ah, il faut aller en bas. En bas, en haut. C'est le sang dans ce truc. Mais au début, c'est... Ouais, je me suis dit à un moment, ils allaient se défendre, mais... Alors, follow me. Ok. Voilà. Je dois aller là. Ok, ça a l'air plus d'être un cul-de-sac là. Alors moi j'ai le vertige là. J'ai la main crispée sur... Sur la manette. Ah. Oh. Ok. Non mais. Ok. Chaton, il est intelligent, hein. Bah après on est dans le futur là, je pense. Donc ils ont peut-être évolué, ils sont prêts à prendre le dessus. Ah là-haut. Octobre, je sais pas de quelle année. Je crois qu'il y a quelque chose derrière moi. Là-haut? Il me dit de miauler. Le chaton, c'est Solid Snake, quoi. Tous les trucs. Non plus que la boîte. Je peux aller... Non, je peux pas aller sur ça. Je peux aller là-bas. Ah. Pas descendre. Ouf. Non. Ok. Passage Uncharted.
Je suis revenu au même endroit là ? Non, non. Hop là. Ça se joue tout seul le jeu. Pas difficile. Pas de prise de tête. À part le passage avec les créatures là qui m'a fait flipper. Ok. Tellement petit qu'on passe par les barres sans problème. Ouh. Ah là, vertige. Voilà. Continue. Alors. Ah, quoi ça? Ah, ouais, spécialité du chat. Bidouille avec les câbles, les prises, tout ce qu'on peut trouver. Est-ce que je vais le garder du coup ça? Je sais pas si je vais en avoir besoin après. Ah, il a lâché le. L'objet, la prise. Alors, quel bazar on peut faire là-dedans? La bouteille. Ah, je peux pas l'avoir. Ok. Ah non, ça on l'a déjà fait. Besoin d'aide. Ok. Alors, on va hacker le PC, c'est ça? Ne pas qu'on va... Ah, il faut que je bouge encore? Ah oui. Un corps. Ok. Bon bah. Bébé. Ok, en plus le pire c'est que ça prend vraiment en compte la touche sur laquelle j'appuie. Ah, attendez. 7, est-ce qu'on est. Ok, on est plus sur le 6 que. Oh non, quoique. Quoique, on est sur le 6 et le 7. Ok, c'est pas mal ça. La porte elle est où? C'est là? Non? Qu'on va changer le disque dur, non? Ok, on est bon. C'est cette porte qui s'est... Oh, elle s'est refermée. Ok, il y a quelque chose à faire là. Donc là, il y a la prise. Est-ce que je dois la mettre à un des autres endroits? Ok. Ah oh. Ok, il faut trouver les autres. Il y a de la rame là-bas. Et est-ce que tu me redonnes une autre prise, hein, ou... Non. Ok. Y'a rien... Ah. Ok. On va les faire dans l'ordre, hein. Il y en a probablement 4 dans le coin. Ah. Troisième. Dans le quatrième, je suppose vous trouver une machine allumée. Là-haut ? Ah, là-bas. Ah.
Ouh, le corps, c'est ça? Ah, Solid Snake Moment? Non? Ok, ah, c'est quoi ça? Pas tellement. Qu'est-ce que le message est dit? Et d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est un truc pour le robot, non? Je crois que c'est un. Ah, peut-être là-bas? Je peux pas monter? Si. Non. Ah. B12. Un ronnement. Et Ron. Ton nouvel ami. Oui. C'est un robot, pas une personne qui nous guidait. Quelqu'un m'appelait B12. C'est un chat. Ok. Bon, on va te suivre. D'accord. Et tu veux que je l'active comment? Enfin, comment que j'utilise? Je mets ça? Quoi? Il va pouvoir se recharger sur moi. Hein? On n'est pas habitué au sac. Facile. Alors, est-ce que ça c'est pas... Ah ah. C'est là le chat qui donne l'ordre d'utiliser la lampe. Non mais c'est puissant par contre. Hein. Ah j'ai pas le digicode, ok. Faut trouver le digicode. Code 3748. Là le chaton tu t'en rappelles. 3, 7, 4. Ah ça vient. Pas oublié. 3. J'ai appuyé sur A au lieu de X. C'est un décrypteur en plus d'être un infiltrateur. Mmh.
Ok, bah on va monter. Hein. Non. Ok. Oula. Oula, je suis à du 40 FPS. 60. Ok, juste le passage là où il y avait plein de nids. Qui est passé à 40. Ah, tu penses qu'il vient de l'extérieur? Peut-être à donner à quelqu'un. Continuons. Donc je pense que c'est une collection de souvenirs finalement à obtenir pour le robot. Ça doit être l'équivalent des jetons, des bouteilles et des objets à collectionner que l'on peut trouver dans pas mal de jeux. C'est pas une aventure si relaxante que ça, vu qu'il y a quand même des ennemis qui peuvent nous tuer. Ah ah ah, je me... Ok. Ah, je pensais pas qu'ils me poursuivraient. Je pensais qu'ils étaient paisibles ceux-là. C'est bon, ils m'ont lâché. Ok. Ah. J'ai vu de loin, mais je pensais pas qu'ils réagiraient à ma présence. Eh, je suis pas un insecte, je suis juste un... Là, je suis à la demi-heure, je devrais m'arrêter là, mais le jeu est juste tellement prenant. Oula. D'accord, donc il y a que la vie robotique. Je peux pas aller là. Il y a un combattant, un moine robot. Hey, vous êtes des robots, n'ayez pas peur d'un chat. Ah, et lui c'est le courageux du groupe. Okay. Dites pas qu'il va y avoir un combat là. Je crois qu'on peut... Une... Quoi? Je crois qu'on peut... Comment décrypter, voilà, le message. Du... De... Ouais. Ok. Un zirk. Tant que tu ne manges personne, t'as vu ma taille? Et au passage, c'est des robots, pourquoi est-ce que ils ont pas lancé l'alerte? Vous voyez, en wifi quoi, je veux dire, ils ont dû appuyer manuellement sur le bouton. À quoi ça sert d'être un robot si tu peux même pas communiquer à distance? Le papillon. C'est le gentleman distingué du groupe. Puis on a le paysan, le moine. Les pauvres. On t'a pris pour un zirk. Et j'aurai 374 ans demain. Montrer l'objet. D'accord. D'accord, pas mal de monde là.
Ridicule, ok, c'est pas allé. Mais bon, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas si vous voulez en voir plus, moi je sais que je vais finir le jeu. Il a pas l'air très long, donc ça mérite peut-être un let's play en fonction de ce que vous en pensez. Laissez des commentaires, petit pouce bleu, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.